Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors comme le disait Kylian Mbappé qui a vécu à Bondy, bon dimanche. Donc hier c'est The Voice qui a cartonné, suivi de Crime dans le Larzac et Secours Populaire, je vous l'avais dit, n'a pas cartonné du tout. Donc en hommage à The Voice et vu les circonstances météorologiques, une petite chanson. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vous entends pas. Il pleut bergère, rentre tes blancs moutons, allons à la chaumière, bergère vite allons. J'entends sous le feuillage l'eau qui tombe à grand prix, voici venir l'orage, voici venir qui fuit. Comment ça, je suis pas pris? Comment ça, je suis pas pris à The Voice? Bon, de toute façon, allez, ce soir, petit conseil, Green Book sur la 2, franchement, c'est un superbe film. C'est un chauffeur blanc qui transporte un musicien noir américain dans une région un petit peu raciste des années 50-60. Franchement, ça, je vous le conseille, après, vous avez Tarzan, etc., etc. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye. Non, je déconne, à tout de suite. Alors, Jean-Luc Reichmann se tenait à carreau avec sa chemise. Le maître de midi était toujours très cool. Voilà, donc son copain. Alors, il y a un truc assez rigolo de son copain, c'est que je sais pas si vous voyez sur la gauche, ça doit être un genre de grain de beauté. Puis moi, je pensais qu'il y avait un problème sur mon écran. Donc, j'ai gratté et en fin de compte, c'est bien que c'était juste un grain de beauté. Et donc, voilà, je trouvais ça un peu con, mais bon, passons. Au coup d'envoi, la première question avec le chapeau Napoléon était-il très souvent représenté? Donc, bien sûr, c'était avec un bicorne. Donc, le tablier de cuisine, bon app avec Napoléon, bonne napata. Après, vous aviez Alexis qui était venu avec sa jolie, très jolie, c'est vrai, elle était jolie sa maman Alexis. Alors en juillet dernier, à 64 ans, Brigitte Lahaie a annoncé qu'elle venait de tourner dans un film X à la coquinette. Après vous aviez Jérôme qui était venu avec la belle-sœur et la belle-mère de Lunette, donc bonjour femme à Lunette. Pour le tournage de la saison prochaine de Koh-Lanta, quelle mesure sanitaire a été prise pour respecter la distanciation lors des interviews des aventuriers et Dion en a rallongé les perches. Après vous avez la très mignonne Orphée qui était venue avec Alice et Kenza. Salut les filles. Alors quel rappeur français a récemment battu le record du plus grand nombre de singles d'or sur un single d'or sur un même album, donc c'était Make a Fun. Quel titre général Balzac a-t-il donné à l'ensemble de son œuvre romanesque? Donc c'était la comédie humaine, et pas la divine comédie. Pour quelle raison les carottes oranges ont-elles été créées? Alors ça, franchement, ça c'est une question de chez question. Donc c'était pour honorer un souverain hollandais. Donc c'est pour ça que chez les Hollandais, vous avez beaucoup de couleurs oranges. Donc ça, c'était une question qui était assez intéressante par rapport à certaines. Ce lion marié carré, quelle star se serait montrée irrespectueuse à l'égard d'Aretha Franklin lors d'un mythique concert? Vous voyez, bon, ça, c'est beaucoup moins intéressant. Donc c'était ce lion, mais on s'en bat un peu les choses. De quel domaine vient l'expression être sur la sellette? Donc de la justice. Là aussi, c'était intéressant parce qu'on a appris que la sellette, c'était un petit banc sur lequel se mettait. Donc,